Nous sommes sur la Transat Jacques Vabre 2021, la Transat la plus longue de l'histoire. C'est le jour 34. Nous sommes au jour 34. Et non, nous ne sommes pas au jour 34, mais bien au 12e jour de la Transat Jacques Vabre. Tous les concurrents pointent leur étrave vers la Martinique, mais la route vers les Antilles est encore longue et pleine d'inconnus. Je peux vous dire que chaque journée en mer est un peu comme une boîte de nuggets. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Et parfois, la surprise a un goût amer. Cette plaque-là, ça s'appelle la sargasse. Wow. Si les sargasses les laissent passer, les premiers bateaux sont attendus dans 4 jours à Fort-de-France.